Coucou, c'est les successeurs de Disney. Alors pour une petite vidéo, je vais pas dire rapide parce que du coup on va encore sûrement papoter, mais une petite vidéo annonce, donc pour tous ceux qui ne seraient pas intéressés par... en fait on va aller à une convention, la Clermont Geek Convention, donc à Clermont-Ferrand tout simplement. Qui aura lieu donc le week-end du 18 et 19 mars et voilà. Nous on y sera... que le 19 mars, après-midi. Voilà, donc on vous prévient très tard. Si vous n'êtes pas intéressé ou si vous ne pouvez pas vous rendre à cette convention, vous pouvez d'ores et déjà quitter cette vidéo. Voilà, parce qu'on a plein de choses à vous dire là-dessus. Donc on va y aller en tant que visiteur, déjà. Et c'est une convention qui est donc sur 2 jours. Oui. La plus grosse partie des choses intéressantes qui va s'y passer, des spectacles, des choses comme ça. Ce sera le samedi, voilà. Il y aura quelques... Nous, on ne pourra pas y aller le samedi, mais on sera présent le dimanche. On imagine que le dimanche, il y aura aussi des choses intéressantes. Oui, il y aura quelques petits trucs, il y a des stands, des choses comme ça. Voilà. Après, voilà, c'est très concentré sur le manga, les jeux vidéo, on sait, voilà, Disney. Mais figure-toi, quand j'y suis allé, moi, il y avait une... Non, mais il peut y avoir des choses complètement... Ah non, mais... surpris. Ah non, mais il y a des gens qui peuvent y aller habillés en Disney. Voilà, il n'y a aucun problème. C'est pas parce que c'est geek. Convention que voilà, c'est l'univers geek, manga, tout ça. Donc voilà, surveiller Snapchat et autres, peut-être que je mettrai des trucs, voilà, mais on va pas faire une vidéo exprès. On va y aller habillé en Fantastic Tail sûrement, ouais. Pour le délire. Voilà, et ben voilà, si vous êtes présent à la convention, on sera ravis de vous voir. Voilà, venez, mais voilà, on n'aura pas de stand. Non, non, on va juste faire un tour et puis regarder les exposants. Voilà, il y aura sûrement Riffiz qui viendra, pour ceux qui le connaissent, bien sûr. Et donc voilà, où là, on vous... Voilà, venez nous voir. Donc c'est une convention, il y aura plein d'autres youtubeurs, enfin des gros youtubeurs. Hein. Oui, sûrement. Il y aura toute l'équipe du Tatou, il y aura Farod, il y aura les Voxmakers aussi par exemple, il y aura une bonne partie. Donc voilà, et donc on voulait vous parler d'un truc, c'est que par rapport à ça, nous on nous a proposé en fait, je pensais pas que ça arriverait, ouais, mais on nous a proposé de faire des stands. De pouvoir, voilà, avoir un stand lors de conventions mais de ce genre. De plein de conventions en fait, et en fait, on a répondu que c'était très sympa, mais que trop spécialisé. On voyait pas quoi faire en fait pour occuper la journée. Voilà, on voulait vous demander, vous, si on le faisait un jour, d'après que vous puissiez venir ou pas, parce que voilà, on va pas faire un stand avec un autographe. On a, ben voilà, on a même pas 60 000 abonnés. C'est idiot. Donc on voulait savoir, voilà, si on a la possibilité d'un jour d'aller à une convention et de tenir un stand sur un week-end ou même sur une journée, qu'est-ce qui... Vous, en tant qu'abonné, et si vous souhaitez nous rencontrer, qu'est-ce qui serait sympa de faire, ouais, voilà, pour tenir ce stand et pour occuper toute une journée? Parce que jamais j'aurais pensé qu'on nous proposerait ça. Bon, jamais on aurait pensé arriver à 200 abonnés un jour, de toute façon. Oui, aussi. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'on nous a proposé et j'ai été obligé de dire je suis désolé. Dans l'immédiat, on voit pas. Je peux pas. On va pas faire un stand avec dire on est fan de Disney. Voilà, juste être assis comme ça, ben voilà, si on fait des vidéos, allez voir notre chaîne. Enfin, voilà. Ouais, voilà, donc c'est pour ça. Et j'ai été assez, surpris. Content, et quand j'ai expliqué à la princesse, elle m'a dit oui, c'est sûr. Voilà. Alors, en vrai, pas prince et princesse, coucou toute la journée. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez des idées de choses qui pourraient être intéressantes pour agir avec faire connaître la chaîne? Des jeux, on va pas faire des... Par exemple, on aurait pu faire des quiz, mais qu'est-ce qui... Des blind tests toute la journée. Oui, c'est vrai. Dans la majorité de ces conventions, c'est en majorité des gros youtubeurs spécialisés ou non, mais ceux qui sont spécialisés dans le... Ceux qui font du gaming ou ceux qui font du manga, ou par exemple Farod qui fait du gaming, c'est très large le gaming, il y a plein de jeux différents, il peut toucher plein de publics. Les Voxmakers, ils touchent le manga, le jeu vidéo, ils touchent plein de trucs, ouais, voilà. Ouais. Ça a beaucoup plus de... Nous, c'est Disney. Bon, c'est vrai qu'on... On fait partie des seuls youtubeurs avec Disneyfield par exemple, qui vont vraiment dans la grosse dérision de Disney, alors que Wonderhook, PixieTubeuse, Toon Studio, ils sont vraiment dans la magie, ils partent très rarement dans la dérision. Voilà. Wonderhook en a fait un peu, mais nous, c'est vraiment notre... Donc c'est très difficile d'aller sur un truc et puis dire venez les enfants, oui, voilà, est-ce que Timon et Pumba se font des bisous, ouais. Enfin voilà, ça serait très délicat. Alors donc voilà, si vous avez des idées de... Parce que nous personnellement tout de suite on a été très touchés, mais on ne saurait pas quoi faire, donc il n'y aurait pas grand intérêt à part y aller en visiteur et puis faire... Voilà, en visiteur, moi je pense que ça peut être un peu... Enfin, je le vois plus sympa parce que voilà, si vous êtes dans le public et que par hasard on se rencontre, bah voilà, on peut toujours échanger un petit moment, un autographe si vous voulez, et voilà, mais que ça occupe toute une journée et qu'on tienne carrément un stand pendant une convention,
C'est sûr. Voilà, enfin, moi ça me fait un peu peur. Mais bon. Ouais, mais c'est ça sûr. Peut se faire, hein. Ouais, bien sûr. Mais si on a un bon truc à faire et tout, ça c'est peut ça, être c'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc voilà, balancez vos idées. Si vous et ne proposez pas d'aller chanter sur scène parce qu'on le répète, on n'est pas chanteur. On s'amuse, c'est rigolo. C'est un gros cas. Il faudrait qu'il riffise derrière et pour gérer les voix en live, il lui faut un truc de la NASA avec un système hydraulique sur des millions de processeurs. Ce serait pas possible. Non, on fait du playback. Ah bah voilà. On fait semblant de jouer de la flûte sur scène sur Fantastic Tale. Tu qui sais, c'est de blaireau. Donc voilà, c'était pour vous dire à quel point on a été contents, mais vous imaginez les succès. Ah, les succès de Disney vont là, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? En sachant que voilà, nous pour l'instant, on va pas dire qu'on n'est pas chaud, mais on veut pas juste avoir un stand de dédicace. Ça se fait, ça se fait des stands de dédicace, mais pour les chaînes. Ouais, nous, voilà, nous on n'est pas une chaîne non plus, enfin voilà, on n'est pas... Donc voilà, donc si vous pouvez venir, c'est génial, dites-le en commentaire, ça serait super sympa de nous le dire. Et parce que nous, on viendra peut-être avec quelques badges dans la poche, mais s'il y en a qui peuvent venir, emmener des trucs à faire dédicacer, n'importe quoi, parce que je sais pas, parce que si ça se trouve, personne va venir en fait. Non mais voilà, ça se trouve, on verra personne, mais voilà, on sait jamais si vous êtes dans le coin, et ben... Comme il y a plein d'autres youtubeurs, vous êtes peut-être des gens qui n'ont plus demandé à leurs parents, si vous êtes des jeunes bien sûr, de se déplacer, comme c'est une grosse convention, ça serait plus facile. Ou même des adultes qui habiteraient pas loin de Clermont-Ferrand, même si je sais qu'on n'a pas grand monde dans le secteur. Non, on n'a pas grand monde dans le secteur. Il y en a quelques-uns à Ussel, tout ça, mais c'est des très très jeunes, donc ça va être très dur. Donc voilà, on y sera, dites-nous en commentaire si vous serez présent et si vous avez des idées, même si vous... Même si ça se réalisera jamais, mais voilà, c'est l'occasion... C'est l'occasion de proposer. Qu'est-ce que vous aimeriez bien nous voir faire si on pouvait y être? On peut pas, par exemple, avant que vous le disiez, on peut pas juste mettre un Disney épisode et dire voilà ce qu'on fait. C'est ça, ce serait un peu bizarre. Voilà. Et ben voilà, bisous à tous. Bisous.